Centrage dans les trois dimensions. Centrage rayonnant. Donc, ouverture au-dessus des épaules et de la tête, à l'intérieur, en dessous du périnée et les pieds. Champ cosmique, champ pélvique. On enfonce le sternum, le coccyx, les poids dans les talons, puis on revient devant, on avance le cœur, on recule le menton. Relaxer à l'expire. Ouvrez un peu plus à l'inspire, ouvrez les yeux plus grands. Harmonie cosmotélorique. Nettoyage.
Secouez un peu les mains, les pieds. Alors, ensuite, on va travailler sur le mouvement de la cage thoracique. Alors, avec le bout du doigt ou la paume sur le haut du sternum, donc au niveau des clavicules. Et le bout des doigts, la paume éventuellement, en bas du sternum, sur la pointe. Donc, on va faire une opposition des deux zones. C'est-à-dire que quand l'une avance, l'autre doit reculer, et inversement. Pour l'instant, sans la respiration, juste mécaniquement, essayer de bien faire cette opposition. Je vais regarder un petit peu. Donc, la dernière fois, on avait travaillé sur une connexion de la posture arrondie avec l'inspire et la posture érigée dans l'expire. On a été sur la première partie, puis le mouvement de base, etc. Alors, donc là, on va faire l'inverse. Donc, expire, donc on s'assoit, on arrondit le dos, et puis inspire, on se remet. Ça va pour ça? Okay. Maintenant, on va faire un peu plus subtil. C'est-à-dire qu'on va garder un petit peu cette intention d'aller dans la terre pendant l'expire et puis d'aller vers le ciel en inspirant. Mais on va retarder un peu les choses. C'est-à-dire que, admettons que je sois à la fin de l'expire, le dos arrondi. Je vais inspirer en arrondissant même peut-être un petit peu plus, puis vraiment qu'à la fin d'inspire, je vais me redresser. Puis je vais expirer, voire éventuellement un petit peu plus ouvrir, se redresser, ouvrir la poitrine, je parle, et quand même à l'expire à la fin, hein, donc progressivement, je m'enfonce. Donc, j'inspire, j'attends un peu, puis je me redresse. Puis, expire, j'attends un peu. Je peux commencer avec les jambes, par exemple. Puis, je vais faire progressivement. Et j'arrive seulement à la fin, vraiment, arrondi. Puis, j'inspire, c'est pareil, ça va être très progressivement, et vraiment calme.
Donc là, en fait, le début de l'inspire ou de l'expire, au niveau pulmonaire, au niveau vraiment respiratoire, commence avant le reste du corps. Commence avant l'aspect mécanique de monter les cils. Même pour accentuer ça, ce qu'on va faire, c'est de l'apnée. À chaque fois, apnée poumon vide, apnée poumon plein. Donc, ce qu'on va faire, c'est, si on commence haut, on va expirer sans bouger. Puis, quand on a fini d'expirer, c'est là qu'on va s'enfoncer. On a apnée poumon vide. Ensuite, on inspire sans bouger. Et quand on arrive à l'apnée, mon plat, là on se remet. Donc ça c'est un petit peu schématisé, un peu exagéré. Pour aller un petit peu plus loin mécaniquement peut-être. Et on reprend quelque chose de plus harmonieux, sans apnée, moins d'apnée. On rajoute l'aspect énergétique en ressentant l'énergie du sel qui descend pendant l'expiration, l'énergie de la terre qui monte à l'inspiration. Pour un petit peu changer les choses, on va faire avec un pied devant. On va faire un pied devant. Donc d'abord le poids milieu, tout simplement.
Tu me changes de jambe. On va commencer par l'aspect respiratoire avant de vraiment commencer la montée mécanique. Sans jeu de mots. La remontée mécanique. Bon, allez, il faut tester un peu maintenant des techniques avec les bras. On va faire tirer, pareil, tirer, pareil, ou tirer, presser, tirer. Alors. On expire, on a à presser ou à parler. Donc là, on a le dos arrondi. Inspire. On débute en restant tel quel. Le dos arrondi. On reste un peu dans le début de l'inspire. Et puis, on se remonte. Expire. On reste un peu ouvert. Même, voire on ouvre encore plus. Puis on descend. Là, on arrondit encore plus. On envoie le dos, le milieu du dos, le bas du dos vers l'arrière et on se remet. Expire. On avance un petit peu, à peu près, un peu plus. Et on relaxe le sternum, on enfonce le sternum, puis le coccyx. Inspire, on recule un petit peu le poids, puis on se redresse. On rentre le menton dans la gorge. On avance
et on enfonce. De l'autre côté, ensuite, on va prendre le brosset de genoux. Va faire juste un petit aller-retour avec les mains. Donc. L'autre pied devant. Continuer. Je vais dire, pour vous aider, hein, je vais dire monter, descendre, monter, descendre. Descendre. Je vais dire inspire, expire, ce sera plus juste. Et vous faites un décalage, vous savez, vous commencez l'inspire avant de remonter vraiment finement. Vous commencez l'expire un petit peu avant de. Enfin, quand je dis expire, vous commencez le mouvement, en fait, juste après, pas tout de suite. Une demi-seconde après ou une seconde après. Enfin, une seconde après, à peu près. Allez, on prend ici, donc expire, là. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. 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 Inspire. Apnée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pour la suite, pensez à l'échange cosmotélorique. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. 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 Pardon. Je me suis planté. Trop concentré sur l'énergie. On reprend à la fin de la posture de brosser le genou gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Apnée. Inspire. 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 Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Tu as accentué le mouvement du thorax et du cou. C'est-à-dire qu'à l'expire, vous relâchez en regardant quand même devant. Et inspire pour monter le sternum, la poitrine, et descendre le menton, comme si on voulait les faire toucher. Et même on peut hein, s'entraîner un peu éventuellement à faire vraiment toucher le sternum et le menton. Donc expire, se presser. Inspire. Expire, restez en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Apnée.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Apnée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si on va accentuer la contraction des abdominaux et du périnée pendant l'expire, et surtout à la fin de l'expire, et un petit peu en début d'inspire. Insister sur la fin de l'expire, surtout. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Apnée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À l'expire, contraction des abdos du périnée. Inspire. Rentrez le menton. Rapprochez le sternum et le menton. Expire. Introversion du bassin, contraction des abdos. Inspire. Rentrez le menton. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On fait donc un dernier avec en fait le bec. Là. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. 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 Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Un petit peu manger un truc, je crois, après les explosions. Hein. Inspire. Expire. D'accord, juste après, on a les autres coups de poing explosifs. Avez-vous des questions? Pas de question pour moi. Ok. Non, c'est ok. C'était un peu dur à la fin. C'était un peu compliqué. Dans quel sens compliqué? Ben, la respiration était plus calée sur les mouvements. Enfin, c'était pas top, quoi. En fait, Pour c'est tout. ça, ok. Plus trop dans le rythme, tu veux dire. Oui, ouais. Entre les deux, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah, faire travailler. Vous avez remarqué qu'après les explosions, il y a un petit temps d'arrêt, c'est-à-dire qu'on est en train d'expirer. Hein. D'accord? Donc j'expire pour l'impact, puis après je compte le même temps que l'inspire. Je comptais dans ma tête là, cinq temps pour l'inspire et cinq temps pour l'expire. Donc ben, après l'explosion, je continue à expirer en fait pendant. Faut que ça dure 5 secondes quoi, à peu près. Et l'apnée, je faisais 5 secondes aussi. On pourrait faire plus, hein, pour l'apnée. On pourrait faire 10, par exemple, ou 15, ou éventuellement. On va faire le centrage. Allez, salut.